Des scènes de violence contre le Polisario. Cette nuit, des jeunes des camps de Tindouf ont attaqué la gendarmerie du camp dit de Darla en réaction à des violences lors de l'interpellation d'un des leurs, Lorlemeille. L'affrontement s'est déclenché après l'intervention musclée d'hommes du Polisario dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les militaires s'en sont pris à la famille de Salem Ould Ahmed Lamieur, frère de l'opposant au Polisario, Ahmed Barikalla. Un membre de la famille a bravé le couvre-feu imposé par les hommes du Polisario avant de se réfugier dans la maison familiale où les hommes, à sa poursuite, sont intervenus pour l'interpeller en utilisant la force, notamment contre la fille de Salem Ould Ahmed Lamieur qui a été tabassée. Réaction immédiate des jeunes originaires de la tribu Ouled Dilm du camp dit de Darla à 170 km au sud-est de Rabouni. Ils lancent un appel pour organiser un sit-in devant la gendarmerie du camp, appel suivi par des jeunes de la tribu venant d'autres camps. Le sit-in s'organise et les jeunes demandent la présentation des gendarmes responsables des violences. À ce moment, la situation dégénère, 3 véhicules sont incendiés ainsi que les équipements de la gendarmerie. Les militaires ont alors tiré des coups de sommation pour faire fuir les protestataires.